que vous avez la forme parce que nous, ça va super bien. Ça va même très 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 bien. Et je vois que vous avez plein de cadeaux devant vous. Mais dites-moi, c'est pour Noël? Bah non. En fait, on va faire un sweat d'Halloween avec Ruby. Un sweat d'Halloween? Mais ça, c'est cool. Mais oui, c'est bientôt Halloween. D'ailleurs, je vois que derrière, vous avez mis des têtes de mort. Bah oui, on est au mois d'octobre. Oh là là, mais ça risque de faire peur cette vidéo, dis donc. Oui. Non, peut-être. Oui, non, peut-être, on ne sait pas. Mais dis-moi, qui c'est Ruby? En fait, c'est une marque qui en fait offre qui vend des déguisements, des décorations, plein de choses à Halloween et pour les carnavals. D'accord, donc c'est une marque de déguisement, de fête et tout ça, d'accord. Et c'est cette marque qui vous a offert tout ça alors? Oui. Oh là là, mais je crois qu'il n'y a pas que Ruby, il y a aussi IMC Toys qui fait des jouets, qui vous a fait quelques cadeaux. Donc ben, merci à Mathieu de nous avoir envoyé ça. Les loulous ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur, on va découvrir ça ensemble. J'ai rajouté 2-3 petits trucs, juste 2-3 petites choses au petit swap. Et puis ben, je vois que devant vous, vous avez un menu. Est-ce que vous pouvez me le montrer un peu ce menu? Waouh, il y a l'air d'avoir plein de choses pour Océane. Corentin aussi? Oula, ouais, là. On en a 9. Il y en a 9 chacun? Oui. Enfin, il y en a un dernier qui est pour tous les deux. Il y en a un bonus, voilà, qui est pour tous les deux. Et sinon, vous en avez combien chacun alors, hein, oui? 8. 8? Bon, ben, je crois qu'on va passer à l'ouverture alors, hein, parce que il y en a beaucoup à ouvrir. Hein. Oui. On a enlevé le gros cadeau qui est au milieu parce que bah, c'est le bonus qu'on fera à la fin. Donc c'est parti, donc on commence avec le menu de qui? Océane. Alors Océane, est-ce que tu sais lire? Non, mais déjà je cherche le cadeau numéro. Bon, alors toi tu cherches le numéro 1 et je vais lire pour Océane. Oui, parce alors, que je suis numéro 1 pour Océane, alors, ça, voilà. ça brille. Et toi, comment ça alors? Un peu de déco. Un peu de déco. Donc, alors à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Alors qu'est-ce que ça peut être? Un déguisement de sorcière. Un déguisement de sorcière? Sabrille, tu crois que Sabrille c'est un déguisement de sorcière? Ah, moi déjà c'est de la déco. Toi c'est de la déco. Alors voilà. Qu'est-ce que ça peut être comme déco? Je sais pas. Parce qu'il y a plein de trucs en déco Halloween, hein. Ok, bon ben il sait pas. Bon ben on les ouvre alors. Oui. Ah oui. Alors moi je sais. Si c'est comme la dernière fois du swap où je vais hurler et tout jeter par terre. Non, ce sera peut-être pas comme l'année dernière. Est-ce l'année dernière, que si vous savez pas, déjà, je sais pas s'il y a des araignées. Oui, parce qu'il y avait une araignée dedans. Ouais. Dans mon truc. Et là quand je l'ai vu. Mon père il a très peur des araignées. Alors qu'est-ce que tu as, Louis? Une combine des araignées. Oh, ça brille. Ah oui, effectivement, ça brille. C'est les trucs que t'accroches au mur et qui brillent dans le noir. Alors, tu vois ça? J'en ai jamais eu! J'ai tellement envie d'en avoir! Regardez les amis! Ouais! Waouh, ce sont des stickers en fait phosphorescents. Ils ont l'air trop chouettes. Il y a même un chapeau de sorcière. Tu étais presque, hein? T'as dit sorcière. Ils sont chouettes, hein? Waouh! Wow. On va les mettre dans ta chambre ou on va les mettre sur le mur là derrière toi? Ah, trop bien! Dans ma chambre! Et toi, Loulou, qu'est-ce que tu as eu? Moi, j'ai eu des trucs à coller, comme les têtes de mort. Alors, fais voir un peu. C'est comme les têtes de mort, mais sans transparent. Merci, mon chéri. Alors, regardez ce que Corentin a eu. Donc, ce sont des décorations d'Halloween. On va les coller au mur, Halloween. Bon, normalement, on les colle aux vitres, mais nous, on les collera au mur. Waouh, elles ont l'air chouettes, hein. Il y a une petite citrouille, une petite fantôme. Alors les araignées font pas peur. Trop bien. Les araignées par contre, elles font pas peur. C'est agluant, hein. Ça a l'air super sympa. Mais c'est pas terre. C'est un peu pareil que ce qu'il y a derrière. Oui, bon, plutôt par terre, c'est pas grave. Numéro 2 pour Corentin. Moi je vais faire pour l'instant. Numéro 2 pour Océane. Bah, alors, c'est pas dégueu. Des bonbons ou un sort? Moi je sais pas, mais ça rassure pas. Tu sais pas, ça rassure pas. Moi, ça non, des yeux à croquer. Des yeux à croquer. J'ai pensé aux bonbons. Alors qu'est-ce que ça peut être? Soit des bonbons. C'est les bonbons là avec ou le carton. Soit tu sais les sauts là. Ou un truc pour mettre les bonbons dedans. Bah on ouvre alors pour voir.
Oui. Elle est rouge. Ah, c'est orange. À première vue, c'est orange. Ah, Des bonbons. Ça veut dire des bonbons. En plus, qui tient Haribos. Alors ça, c'est une petite chose que maman a rajoutée, bien sûr. Alors, c'est des bonbons vieux, j'avais raison. Ouais. Halloween sans bonbons. Donc voici pour Océane des bonbons vampires. Ouh, de chez Haribo. Mmh, des bonbons vampires. Et puis là, on a donc chez Corentin. Des bonbons vieux, mais ceux-là, ils n'ont pas le cœur coulant et tout ça. Merci. C'est des bonbons. Nous avons des gummy hay balls. Hein, vous voyez, ce sont des yeux en fait. Voilà. Alors, mais eux, ils sont pas vieux. Alors, on les a jamais goûtés. Hein. On sait pas ce que ça donne. On les goûtera peut-être en fin de vidéo. Ouais, eux ils sont pas gluants déjà, j'ai l'impression. Non, moi non plus, j'ai pas l'impression. Alors, cadeau numéro 3. Alors, pour Océane, c'est moelleux. Une chauve-souris gloutonne. Moi, c'est un seau bien rempli. Ça veut dire quoi, gloutonne? Gloutonne. Ah, c'est bien. Qui mange beaucoup. Une grosse gourmande. Une chauve-souris gourmande. Moi, c'est un seau bien rempli. Est-ce que vous avez une petite idée? Non mais attends, mais c'est tout mou. Et là je sens du carton. Alors à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. À part un seau pour Halloween à nouveau. Ouais. Ah peut-être, je sais pas. Bon alors on déballe. Allez, on déballe. Ah peut-être, je sais pas. Ah. Oui, un nouveau seau. Oh il est génial. Ah c'est génial. Wow. Regarde Océane. Ah moi aussi. Bah oui, il y a gloutonne parce qu'il y a des bonbons dedans. Eh ben oui, tout à fait. Et moi, quand j'ai vu un seau bien rempli, je me suis dit, attends, c'est un nouveau truc. Oh, c'est excellent. Ah, j'adore. C'est juste trop bien. C'est trop bien. Alors, qui veut voir son seau? Moi. Ouais. Voici le seau d'Océane. Donc, c'est une petite chauve-souris. Voilà. Et un petit sac à bonbons où à l'intérieur elle va pouvoir mettre toute sa récolte d'Halloween. Elle est trop choupinette, j'adore. Elle est grosse la mienne. Hein. Moi c'est gros ça. Oh oui, c'est bien grosse, plus gros que l'année dernière. Pour Corentin, voici le seau en question. Donc c'est un seau citrouille où on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Elle est trop chouette. Ouais. Franchement, elle est trop chouette. En seul, le petit seau, c'est maman qui l'a rajouté dans le swap. Ah. C'est quoi ce numéro 4? Numéro 4. Même pas peur, moi. Pour Océane, c'est des cornes sur la tête. Moi, c'est même pas peur. Moi, c'est même pas peur. Un serre-tête de diable. Peut-être. Moi, c'est même pas peur. Même pas peur. Alors, je pense que ça va être des doigts là-dessus, les doigts en plastique et tout ça. Ouais, tu crois? Moi, je pense pour lui que ça va être des araignées. C'est ça. Il a spongé du coup, non. Tu me promets qu'il n'y a pas eu d'araignée? Je sais pas. Allez, je déballe. Ça veut dire qu'il pourrait. Un masque! Ah, mais c'est un masque de. Oh, il fait peur, lui, hein. C'est quoi? Salut, bonjour, madame. Yeah! Elle a peur. Alors, une cagoule. C'est le masque, c'est ça? C'est une cagoule. Vas-y, mets-le. Waouh! Oh, mais tu fais peur, dis donc. Ouais, moi, je le vois là, à l'arrière. Mais tu fais peur. Ouh. Et moi? C'est chaud. J'adore d'apprendre. Alors pour Océane, donc des cornes sur la tête, parce que voilà en fait pourquoi des cornes sur la tête, parce que le diable a des cornes sur la tête. Et franchement, ces masques ils sont trop agréables parce qu'ils sont. Elle a peur. Regarde, ils sont tout mous et ils sont super légers. En fait, ils sont trop bien. Et pour Corentin, c'est un petit masque que moi j'ai rajouté. C'est un masque vraiment. Il fait peur. Oui, bah. Alors lui, c'est un de tu vois, la différence, il est en caoutchouc celui-ci. Il est un peu plus rigide, mais franchement, il fait trop peur. Il fait trop peur. On continue avec le cadeau numéro 5. Numéro 5. Et donc pour Océane, c'est ange ou démon? Moi, c'est petit diablotin. Un déguisement de ange. Un déguisement d'ange, oui, tu penses? Non, de... Le diable. Oui.
Et toi, Corentin, c'est quoi? Bah moi, c'est petit diablotin, donc je crois que c'est un truc, c'est un déguisement de diablotin. Tu crois? Bah oui. Allez, on déballe. Ah, ouais, vu la taille, je pense que c'est possible. Moi j'ai eu un costume. Waouh, il est trop beau. Et Océane aussi. Alors faites voir un peu vos jolis costumes. On a eu des diables. Voici le costume d'Océane. C'est une petite diablesse avec la tunique et le serre-tête. Et moi j'ai un voilà. On va le petit serre-tête. Et pour Corentin c'est quoi? C'est un diable. Un diablotin. Donc en gros, et bah elle, et bah c'est... Il a l'air beau, hein? Ah ouais, mais en gros, on est pareil. Il a l'air beau. Et en plus, il a les yeux qui bougent. C'est vrai? Vous voyez, ici, il a les petits yeux qui bougent, en fait. C'est vrai? Est-ce que ce soit bouclé? Ah ouais. Oui, allez. Par contre, ce qu'ils savent pas, les copains, restez jusqu'à la fin de la vidéo, surtout parce qu'il va y avoir un concours. Ah oui, ça va être bien. Ah ouais, il va y avoir un concours. On continue? Je ne sais pas plus rester jusqu'à la fin. Avec le... Un petit compagnon. Alors pour Océane, c'est attention à la toile. Alors Océane, attention à la toile. Mais toi, moi, ce n'est pas grave, petit. Peut-être que c'est une araignée. Et toi, je pense que c'est une petite araignée. Non, t'inquiète pas, Louis, il n'y a pas d'araignée. Mmh. Parce que Corentin a vraiment la phobie des araignées, il n'y a pas d'araignée. Mmh. Encore, c'est qu'il y avait à coller, ça va, hein? Oui, ça va. Ah, bon, attends, on a un peu de blanc. Qu'est-ce que c'est, Louis? C'est des araignées. Une toile d'araignée avec de petites araignées. C'est une petite décoration. Elles sont un peu mignonnes. Elles sont mignonnes. Bah oui, mais moi je peux faire des années. Ça va faire un petit peu de déco derrière vous. Et toi, tu peux le voir à ma place. Un petit compagnon. Mais non, c'est pas une araignée. C'est pas une araignée. Il a vraiment peur des araignées, ton frère. Hein. Oh, il est pas courageux. Hein. Ouh, ça va. Ouh, c'est un squelette à monter. Ah, c'est un squelette à monter! À qui une squelette? C'est un squelette à. Ah non, c'est un squelette articulé! Tu vois? Alors, ça, c'est un petit squelette, en fait, phosphorescent! Ouais, et en fait, c'est, bah, tu peux le plier dans tous les voilà, sens. Donc en fait, c'est un grand squelette qu'on va mettre, en fait, dans le décor, sur le mur, et qui brille la nuit! Bon, voilà pourquoi un petit compagnon de vous. Ah bah oui, et tout petit en fait, il n'y a pas de quoi avoir peur. Et là, il n'y a pas de quoi avoir peur. Alors on continue avec le numéro le combien? Le 7. Un classique pour moi. Alors pour Quentin, un classique pour Océane. Le classique, c'est les fantômes. Qui est la plus belle? Un fantôme, les araignées. Du maquillage. Dans du les maquillage. Classiques. Du maquillage. Je dis du maquillage. Du maquillage. Oh non, c'est un truc avec de l'air. Quand t'appuies, c'est du plastique. Encore un masque pour moi, de sorcière. Ouais, qui est la plus belle? Oh, miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Qui c'est qui dit ça? Dis-moi qui est la plus belle. C'est qui dit ça? La sorcière de mon cœur. Eh ben oui. On peut voir comme tu es belle alors. Alors, est-ce que tu es la plus belle des sorcières? Wow, magnifique! Ouh, c'est un masque! Ah, tu es trop peur de ça, regarde là! Ouais. Ouh, oui, oui, oui! Et oui, c'est un classique, un squelette! Oh, mais. Oh, je regarde ta soeur! Fais voir un peu ton masque, Loulou! Non, j'ai cogné du joli! Alors, est-ce qu'il est aussi confortable? Il en a l'air. Waouh! Wow. Il te va trop bien. Franchement, il est trop beau. Enfin, il est trop beau. Il fait peur. Voici le masque d'Océane. Donc, voici la sorcière. Alors, c'est toujours pareil, le même principe des masques en fait de Rubis.
Ils sont tout moelleux, tout légers. Ils sont super confortables. Il est vraiment affreux. Ouais, parce que t'as des longs voiles à l'arrière. Et pour aussi... Corentin. Voici la tête du squelette. Oui, le squelette, c'est un classique. Il est franchement trop bien fait. Je pensais les araignées ou les fantômes. Bon, hein, quand même. Moi, je pensais les fantômes. Oui, aussi, ça aurait pu être un fantôme. Oui, parce que les fantômes, c'est un classique. Hein. Tout à fait. Est-ce qu'on continue un sac d'os. Oui. Dernier. Alors, la plus mimi des sorcières. La plus mimi des sorcières. Elle aura eu que des sorcières. Encore un déguisement. Tu prends un déguisement, t'en as pas eu assez. Sac d'os. Sac d'os, alors qu'est-ce que ça peut être? Relou. Un déguisement de squelette. Tu crois? Tu parles d'os. Ah, j'avais raison. Ils avaient raison aussi. En fait, on a tout trouvé. Oh, mais il est trop beau. Il y a juste des trop beaux. C'est même pas ce qu'il y avait. Ah ouais, même les gants. Ma chérie. Il va aimer mon masque. Trop stylé. Var, qu'est-ce que tu as eu alors? Moi j'ai eu un costume de squelette où en fait les os dans le noir ils s'allument. Oh, c'est trop bien ça, en fait ça a un phosphorescent. Trop bien. Voici pour Océane, donc, elle a eu un déguisement de petite sorcière. Elle a un petit déguisement de sorcière qui est magnifique, qui est super complet. La plus mini sorcière. Le chapeau, les gants, la robe et les chaussettes. Il est trop beau, franchement. Regardez l'imprimé derrière, il est trop beau ainsi. Oh, elle est mini la sorcière. Moi j'aime bien, magnifique. Ensuite, pour Corentin, tu veux voir ton déguisement toi? Eh ben moi, c'est un squelette qui est phosphorescent. Merci. Voici pour Corentin le squelette phosphorescent donc qui s'allume la nuit. Ouais. On va pouvoir te voir à la chasse aux bonbons, ça va être cool ça. Oui, parce qu'en plus, c'est la nuit. Donc voici derrière l'imprimé de ce squelette. C'est pas des chaussettes, c'est des collants, maman. Ah oui, c'est des collants. Effectivement. Je ne savais pas que sorcière mettait des collants. Alors, est-ce qu'il est fini ce soir? Oui. Oui. Non. Ah bah non. Il en reste encore le bonus. Oui. Le bonus. Si. Allez. Voici le bonus. Alors celui-ci est pour tous les deux. C'est pour ça qu'il est de deux couleurs. Alors on déballe. Il y a marqué juste bonus. Il y a juste marqué bonus. Wow. Ouais. C'est quoi ça? Waouh. Il y a un pistolet. Il y a un pistolet pour moi et pour Corentin. On a un pistolet avec un squelette dedans. Ça s'appelle Désigne le squelette. Désigne le squelette. Est-ce que tu sais ce qu'il fait? Je crois que tu as vu un petit truc comme ça l'année dernière, il me semble, non? Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Avec tes lunettes 3D? Attends, ça voudrait dire que normalement, si je me souviens bien, il met des fantômes au mur. Oui. Mais là maintenant, tu mets des lunettes 3D pour y voir en 3D. C'est ça, tout à fait. Attends, je vais voir des fantômes. C'est un squelette, un jeu de société avec un squelette qui projette des fantômes et des chauves-souris au mur avec des lunettes 3D. Donc mais en fait, apparemment, il en crache plusieurs en fait quand tu les vois avec les lunettes. C'est ça, et en plus, il faut tirer dessus avec un pistolet. Et ouais, aussi, c'est ça, il y en a un. Deuxième pistolet. Ouais, il y en a un dans la boîte. Et là, devant le loot un peu. On va s'amuser avec ça. Alors, ça, c'est la marque IMC Toys qui vous l'offre. Donc voilà, ça, c'est le pistolet, le deuxième pistolet, parce que dans la boîte, il y en a un, mais comme vous êtes deux, il vous faut deux pistolets. Donc voilà, le pistolet tout seul. Et ensuite, tu nous montres un peu la boîte? Ah bah déjà, il y a le devant. Voici la boîte. Donc, c'est un super squelette. C'est exactement le même que j'avais. Voilà, c'est un peu le même que tu avais, mais sûr que lui, il est en 3D. Ouais. Et en plus, ça faisait un moment que t'en voulais en 3D, c'est ça? Ouais. Donc ben là, en plus, tu vas pouvoir jouer avec ta soeur parce que tu n'avais pas de deuxième pistolet sur l'autre. Ah ouais, j'en avais pas des deuxièmes. Donc maintenant, on en a trois. Ben ouais, c'est cool.
On va prendre un par trois. C'est trop bien. C'est aux anniversaires, et ben les mégots bons pour être trois à dire les fandoms. Ça pourrait être génial. Moi j'adore ma patronne. C'est la fin de ce petit swap. Est-ce qu'il vous a plu? Oui. Vraiment plu? Oui. Et dites-moi, on avait promis quelque chose aux copains? Oui, oui, un concours. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner ce concours? Un déguisement. Et oui, un déguisement. Donc en fait, il faudra choisir entre ces quatre déguisements. En fait, vous choisissez votre préféré. Donc qu'est-ce qu'on avait comme déguisement? On avait un squelette, un diabota. Et moi, une sorcière qui est très jolie avec le collant et le chapeau et les gants. Et un petit diable lapin avec le serpette. Voilà, donc en fait, il y a quatre déguisements. Donc c'est ça. Il faudra quoi pour participer au concours? En fait, vous pourrez gagner un votre déguisement préféré au final. Et comment il faudra faire? Il faudra être abonné. Activez la petite cloche de notification. Likez la vidéo. Et aussi, et ben c'est simple. Vous mettez dans les commentaires hashtag Rubies. Et à côté, vous mettez le déguisement que vous préférez. Le tirage au sort se fera donc à la fin de la journée de mercredi. Donc c'est-à-dire que vous avez jusqu'à mercredi minuit, jusqu'à minuit pour participer. Et ensuite, il y aura le tirage au sort et celui qui aura gagné, eh bien, je le recontacterai par mail. D'accord? D'accord. Oui. Ok? C'est bon? Oui. Bon, ben, ça va faire la vidéo alors? Oui. Ben ouais. Cette vidéo est maintenant vraiment terminée. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. On espère, on vous dit bonne chance pour le concours. De toute manière, vous aurez très très vite les résultats. Et puis encore merci à la marque Rubies et IMC Toys aussi pour nous avoir offert ça et puis pour vous offrir aussi un déguisement. Si c'est pas déjà fait et pour participer au concours, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao ciao. Ciao ciao les amis, bisous bisous. Ciao.